Les mecs, on va remettre en place un petit jeu que j'avais fait sur 2 ou 3 vidéos, vous aviez kiffé, le Pierre Feuille Ciseaux, tu gagnes un follow. Alors comment ça va se passer? On fait Pierre Feuille Ciseaux, celui qui gagne, il gagne un follow, c'est simple. Si je te gagne, tu t'abonnes à ma chaîne, et si tu me gagnes, tu mets dans les commentaires, j'ai gagné, et je viens m'abonner à ta chaîne. Ah, je t'avoue, c'est un concept, je l'ai fait une fois, c'est une tuerie. Alors est-ce que vous êtes prêts? C'est en une manche, y a pas de... on refait pas. Hein. Pierre, Feuille, Ciseaux. Donc là, frérot, je suis sûr que je t'ai gagné. Si jamais il y a égalité, j'en refais un pour les égalités. Pierre, Feuille, Ciseaux. Ah, frère. Si j'ai gagné, tu t'abonnes. Et si t'as gagné, tu me dis dans les commentaires, j'ai gagné. Viens follow ma chaîne et je follow, frérot. Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Là, j'espère que vous êtes heureux. J'ai ressorti la 50. Encore une fois pour une nouvelle petite vidéo. Ah là 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 là. Bon, à ce qui paraît, c'est le printemps. Hein. Bref, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, petite nouvelle vidéo en 50. Voilà, tu vois. J'ai ressorti la petite derby de son hibernage, frérot. On va juste faire demi-tour ici. Enfin, je vais pas te mentir qu'entre la crosse, la 50, les cours et tout, tu vois, je roule pas souvent. Après le temps aussi hein. Crois pas je suis à Ibiza ou quoi frérot. Donc il fait pas toujours beau tu vois. Marche bien la derby. Bref les mecs. Déjà, avant que la vidéo commence, mettez-moi un petit pouce bleu, voilà, t'as capté. S'il y a 3000 pouces bleus, parce que je vois qu'en ce moment, vous êtes un peu moins chaud. Oh les mecs, réveillez-vous! Je vous sors une nouvelle vidéo à 3000 likes. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de but précis, on va juste rouler en ville, voilà, un petit daily observation. Même si frérot, on va rien observer, je vais essayer de prendre de nouvelles routes. Oh, la petite BM là, oulou, oh, pas mal, donc. Un beau petit cul, hein. Bon sinon genre, la vidéo avec le test du poids elle vous a plu. Voilà je crois on est bientôt à 50 000 vues dessus. Ceux qui voulaient la référence de la ligne, elle était dans les commentaires, dans la description. Mais pour ceux qui l'ont pas, c'est sur 50 Factory, j'essaye. Je vous promets, j'ai déjà demandé à vous avoir un petit code promo. Et dès que je l'ai le code promo sur 50 Factory pour vous, je vous l'envoie les frères. Oh, là-bas il est en petit pécho frérot. Et quand je roule, je suis tout le temps là à voir dans mes poches. Si, il n'y en a pas une qui est ouverte. Ah ça c'est ma hantise. D'avoir une poche qui est ouverte frérot, t'es là, t'as tout qui va partir avec. Hop 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 hop, le petit stop. C'est moi où j'ai drift. Qu'est-ce que... Ah ah ah, bah ok. L'arrière s'est bloqué tout carrément. On ira un peu moins fort dessus après. Ah là là. Alors où est-ce qu'on pourrait aller? On va aller là-bas. Oh je n'ai marre du casque les mecs, c'est vraiment horrible. Est-ce qu'elle va traverser la couze? Elle veut pas traverser? Ah si, elle voulait traverser, je suis désolé. Je suis désolé mon frère. N'hésitez pas à venir follow sur Insta. Il y a beaucoup de contenu sur Insta, on est bientôt 12 000. Eh, ça fait plaisir. Hein. Ah ici, il y a les caméras avec les feux et tout. Alors à ce qui paraît, une fois, je vous l'avais dit dans une vidéo, j'ai fait un peu le con, je suis passé un peu fort ici. Et on m'a dit que c'était le truc avec les caméras. Du coup que j'allais recevoir une amende et tout, mais oh là là, à ce qui paraît c'est juste un capteur. Et quand tu passes un peu trop vite, il passe le feu au rouge. J'espère que c'est ça. Allez, on aura une petite ligne droite devant nous pour admirer les performances de la 50. Ouais, 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 avec la 107 devant, ouais. On n'est jamais passé dans ce sens là. Il y a un peu de vent quand même là, je vais pas te mentir, j'ai froid aux pieds.
on y est. Là j'ai l'impression de glisser de l'arrière, c'est horrible. Vous avez vu ce passage? Oh là là! Allez, vas-y. Oh, allez, ton clignot. On va se faire la petite ligne droite là. La petite folle ligne droite. C'est sur celle-là où on a pris un peu plus de 100 km/h. On va essayer de faire une petite pointe, tout dans la convenance, frérot. C'est pas là, je vais commencer à faire du bancal. Oh, il m'a lâché un regard, le cousin. Ah, lui, c'est sûr, il voulait une photo, lui. Oh, mec, les forêts, les plans d'eau comme ça. Oh, qu'est-ce que je kiffe. C'est quoi, vous, les mecs? Ou les meufs, hein, bien sûr, quand je dis les mecs, vous êtes tous dedans. Votre objectif de vie. Si vous voulez un truc, là, maintenant, moi, frérot, tu me donnes un petit domaine avec des passerelles, avec des bois... Tu mets avec des petits étangs, oh là là. Motocross, jet ski, pêche, qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais, ouais. Ah ouais, la microcar, ça, c'était qui? Il m'a dit. Bon, ça se trouve, c'est quelqu'un qui m'a reconnu. Oh, c'est ici, t'es un abonné, frérot. Ah ouais, ça me regarde dans les yeux et tout quand je passe en moto. Ah, ça veut mon snap. Il y a quand même des bonnes petites caisses hein, dans cette région. De la BM, de la Clio RS, de la Mégane RS, du Multipla, du Fiat Panda, du Golf 7R. Oh, en montée, elle tracte plutôt bien la Derby. Je vais pas te mentir, on n'est pas là à trop galérer. À part avec le poignet cassé, évidemment. Là, je suis plein gaz. Là. C'est le run là, c'est le run. Allez, avance! Avance! On va mettre des petits coups comme ça. Oh, regardez, ça fonctionne. Hein. On tape les 94, 95. Bon, bah, ça sera pas pour aujourd'hui. Hein. Si vous revoulez un feat avec Bob Anstein, mettez-moi des petits pouces bleus, dites-le moi en commentaire. Et allez voir les vidéos de Lucas, il fait quelques vidéos. Bon, Il est pas encore là à faire des vidéos régulièrement, mais il essaye. Ah ouais, les petits sons là. Allez, on va dire bonjour au monsieur. Fils de pute. Fils de pute, on va dire bonjour. Ah ouais, j'aurais dû mettre la deuxième, frérot. J'ai lâché une petite trace de pneu là-bas. Ah ouais, poignée dans l'angle. T'as vu, je suis accordé aujourd'hui, ma petite tenue de jean noir. Eh, les gants, ils font toute la diff. Là, je peux aller pécho direct, j'ai un flow de bâtard. Eh, vrai, la 50, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein. Mais j'ai eu aucun problème, je touche du singe. T'es pas là, je vais dire ça, je vais claquer un truc, mais... Moi, j'en connais, hein, des gens qui ont des 50, hein. Et j'en connais le nombre de modifications, ils sont tout le temps les mains dans le moteur dedans. Je viens d'avoir une idée à la Villebrequin, frérot. Ça fait quoi si je coupe le contact et que je le remets? Eh, dites-moi ça dans les commentaires. Eh, je te jure, ça me fait penser à Villebrequin quand il passe la première en 6ème, frérot. La première à 130 km/h. Ça fait quoi si je coupe le contact en roulant? Je me mets genre à 80, je coupe le contact et je le remets, ça fait quoi? Eh, j'ai trop envie d'essayer, mais c'est pas là, je vais faire un carambeau là. Ah voilà, je... Oh, je... Ah, comme au Brésil. Oh, comme au Brésil. Petite, c'est une quoi ça? C'est une A200, c'est une classe A, c'est quoi? Pourquoi il y a le truc AMG? Ah ouais, mais je sais. Je l'ai reconnu. Ok, frérot, t'as une AMG, qu'est-ce que tu nous fais là? C'est une quoi ça? Je sais pas ce que c'est comme. En tout cas, départ arrêté, je le fume. C'est une quoi comme BM? Eh, BM, il y a tellement de références, je saurais pas dire. Ok, BM, suivi de Tesla. Ah ouais. Oh, j'ai envie de faire comme dans les films. En vélo, je le faisais, c'est possible ou pas? Faire ça, t'enlèves,
Ouais, c'est possible, ouais. J'ai même pas regardé si je trouvais une voiture. Attends, c'est possible. Oh, c'est toujours entier là-dedans. Ah ouais. Hey, t'es pas avec une Gaulle, mec. Oh, il est en train de se faire pépon. Oh. Bien dit soleil et des nanana. Normalement, mercredi, il devra annoncer des restrictions plus lourdes. On verra bien ce qu'il annonce. Hein. Ça se trouve, on va repartir en confinement. Oh là là. Et on écrase papy en prime. Ça fera des retraites en moins à payer. Bien sûr, je rigole. Ah ouais, je sais pas si ça passait là, frérot. T'imagines, t'es là, t'achètes une caisse, t'as pas regardé les dimensions de ton garage avant, et tu te rends compte que ça passe pas. Frérot, tu fais quoi? Est-ce que t'as grandi, tu mets à la hache, t'y vas, tu mets des coups de meule. Donc, je vais vous montrer mon ancien collège. Malheureusement, j'avais pas de bécane à cette époque. Eh, je serais allé tous les jours en bécane au collège. Tu fais quoi? Eh, frérot! Oh là, lui, qu'est-ce que... Bah ouais, salam. Il a mis ses petits warnings, ça, je vais pas lui casser son rétro. Oh ouais, il m'a fait flipper, lui, il change d'un coup. Et mesdames, messieurs. Bon, par contre, ramène pas toute ta mif, frérot, je vais pas rester là une demi-heure. Qu'est-ce que j'en ai passé du temps ici, frérot. Ah, attends, il y a une priorité à droite, va-t-elle me la laisser? Vais-je me faire écraser? Ah ouais, c'est pavé. Oh, ça a changé. Regardez, mon collège, il est sur la droite, les mecs. Une prison, ce truc. Oh là là. Ça, c'est la maison d'arrêt, frérot. Une belle petite maison d'arrêt. Où j'ai fait 5e, 3e, obtention, mention bien. Sans tourner... Non, en me tournant les pouces. J'allais dire sans me tourner les pouces, ça veut rien dire. Comment les pros BM font pour reconnaître à chaque fois les modèles de BM, frérot? Ils sont là, ils voient une BM. C'est une E40 3M. Frérot, comment ils font? J'ai l'impression, moi, toutes les BM, c'est les mêmes. Ça y est, j'ai dit ça. Tous les puristes BM en commentaire. Et je vais me faire insulter. Non, mais c'est vrai, il y a des modèles. Frérot, ils se ressemblent. Soit c'est moi, je croise les mêmes. Soit c'est tous les mêmes, tu vois ce que je veux dire? Ah, me donne bien envie. Hein. Ah bah ouais. Ah bah là, vous savez, ça va être quoi le prochain achat, frérot? Oh, tournez, moi. Aïe. Oh, les pavés. Oh, les pavés. Vrai, je viens de penser, mais t'as aucun youtubeur. J'ai jamais vu de youtubeurs 50 qui font des motovlogs dans Paris. T'as que des gros cubes, des 125 et tout, à la rigueur. La big, j'ai jamais vu un mec en 50, genre comme ça, genre en MRT, un 86 top sur les Champs-Elysées. J'ai jamais vu. Tu m'as vu. Je vais me manger une mégane. Attends, le mec a vraiment klaxonné parce qu'il vient de passer au vert. Ah ouais, le mec, il a pas le temps. Alors voici de nouvelles architectures, on dirait, frérot, une prison. Et non, c'est bien une résidence. Tout. Ah ouais, je vous ai vu, ils ont lâché un petit regard dans le rétro. Est-ce qu'il y a du cul? Oh, je me suis fait cramer, là. Qu'est-ce que j'ai dit? On commence à me guette, là, moi, mademoiselle. Ah non, si madame elle voit la vidéo, je vais me faire taper. Le titre de la vidéo, on drague de la minette en 50. Oh ouais, je vais me taper une caisse. Oh, j'adore ça, me taper une voiture. T'imagines le mec qui est vraiment chelou. Oh, tu l'as vu la 307 tuning là. Hop, vous avez pas vu, c'est pas orange, vous êtes daltonien. Nous brûlons la gomme. Non, mais je suis daltonien. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon, de toute façon, regarde, je me tape un rouge, là. Donc, au final, je suis puni. Je suis El Clignotant, sale. Oh, je vais te rattraper, je vais te couper le peu de cheveux qui te reste. Oh, ah ouais, elle, sa priorité, frérot, elle y a été. Oh là là, sans capote, hein. Oh, la petite tétée, là, vous l'avez vu. Vous savez que dans une vidéo, j'ai raté...
Eh, j'ai raté pas mal de caisses. Hein. Genre, je suis là comme ça à côté, j'ai aucune réaction. J'ai raté C63, E63. C'était une Nissan GT-R. Ouais, c'était ça, Nissan GT-R que... Là, je m'étais fait incendier dans les commentaires. Ouais, la Nissan GT-R à 838, tu l'as même pas vu. Espèce d'ignorant. Frérot, j'étais concentré comme tout mon pilote sur la route. Hein. Je vais acheter un bus. La boiserie, frérot, ce youtubeur, il me fume. Ce mec, je le kiffe, il est simple, tu vois. Il est là, il fait ses petits bails avec ses petites marques et tout. Et ce que je kiffe, c'est que lui, vraiment, il vit sa vie. Ah, lui, il va pas mourir frustré. Attends, c'était, ah, c'était un scoot. Ah, mais il se fait puper. Bon, c'était fini. Une prestation de 20 minutes facturée. 450 €. C'est bien parce que t'es pas imposé sur ce genre de business, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, bon, allez. Admettons, 50, c'est 50. Vous croyez que je suis à combien, là? Oh. Attendez. Attends, voilà, je suis à 7 km/h. Mais oh, j'ai une blague. Les mecs, qu'est-ce qu'un yaourt na... Non, merde. Qu'est-ce qu'un yaourt dans la forêt? C'est un yaourt nature. Ah, vas-y, t'as rigolé, tu mets un pouce bleu. C'est sûr, t'as rigolé. Eh, j'en ai plein d'autres. À chaque vidéo, je vais vous sortir ma petite blague. Allez, ça monte. Donc les mecs, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre vraiment chill où je vais rouler avec la moto comme ça, mettez-moi des petits pouces bleus. À 3000 pouces bleus, je vous en ressors une. Et sur ce, bon après-midi les mecs.